Bonjour, je m'appelle Mario Gay. Je vais vous faire une présentation, comment installer un panneau solaire sur un Westphalia Eurovan. Le panneau va aller avec le deuxième panneau, va rentrer dans le régulateur. Il va avoir un fusible, puis ça va charger les batteries. On va déballer ton panneau. Ici, tu as vu les connecteurs qui viennent avec? Les connecteurs, ben, tu as vu, ça marche avec les. Il y a un mâle et un femelle. Le positif est mâle, puis le négatif est femelle. Un beau panneau de 100 watts. Les panneaux monocristallins sont plus noirs. Les polycristallins sont bleutés. Ça va être la partie avant. Ça va être la partie arrière. Le panneau en circuit ouvert, lui, il est 22,3 volts. Puis il débite 4,4 ampères. Fait que dans ton fil numéro 12 qu'on voit là-bas, là, bien, il va passer seulement 4,4 ampères, mais 46,6 volts. Ça veut dire que ton régulateur MPPT, lui, il faut qu'il soit capable d'accepter la tension 46,6 volts. C'est vraiment léger, hein? Fait que je vais parler qu'on le mettait à peu près comme ça. D'accord? Oui, ça va. OK, un à côté de l'autre. Fait que on va se mettre un tape pour dire à peu près où est-ce qu'on arrive. Qu'est-ce que t'en dis? Ça veut dire qu'on peut. Ça te donne quoi à peu près de distance? Je suis sur le bord du piton? Ouais. OK. On sert de l'alcool de bois pour enlever vraiment toute la cire qui est sur le toit avant de coller. On a délimité un secteur où est-ce qu'on va apposer les panneaux. Fait que là, présentement, je suis en train d'enlever tout ce qui est cire, etc. pour avoir une meilleure adhérence avec la colle. On va utiliser comme colle, comme moi j'ai utilisé sur le mien, c'est du Flextron. C'est un silicone qui fait une bonne colle. Je vais faire une bande tout le tour pour être sûr que ça colle. Pas trop proche du bord pour pas que ça. Ça dépasse quand que je vais le déposer. J'avais dit Mario. Excuse-moi. La recherche, ça peut être cherché. On va chercher tout. Et c'est beau, hein? Je peux te permettre de jouer un petit peu.
beaucoup de poids sur le toit, hein?